Alors pour ce match M15, j'inviterai la formation du Zilip Cascade à se présenter à leur ligne bleue, s'il te plaît. Passons maintenant à la présentation de l'édition 2023-2024 du Canyon Beauce-Avalanche. Dans les buts, le numéro 1, Thomas Gigard. Le numéro 31, Dave Poulin. Le numéro 8, Edouard Gay. Le numéro 10, Loïc Poulin. Le numéro 11, Eddie Jacques. Le numéro 12, Rodrigo Burgi-Benjamin. Le numéro 17, Madame Pouliot. Le numéro 18, Sacha Ganache. Le numéro 19, Nathan Gosselin. Le numéro 20, Simon Planosville. Félix Couture. Le numéro 22, Ludovic Doyon. Le numéro 23, Mathieu Lacroix. Et le numéro 24, Ludovic Blanc. Avec nos entraîneurs en chef, M. Jean-François Simon et son adjoint, M. Alexandre Roy. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en ce début de saison 2023-2024, l'organisation du Canam de Beauce-Avalanche est fière de présenter les personnes sans qui le partenariat aurait été impossible. Tout d'abord, j'inviterai au centre de la patinoire Madame Isabelle Béjean, vice-présidente culture et talent du Canam. Madame Vicky Fontier, directrice des ressources humaines au groupe Canam et gérante du Canam Paris. Madame Dani Mercier, designer graphique des seniors et responsable de la convention du groupe. Monsieur Pierre-Antoine Poulet, président du Canam Beauce-Avalanche. Monsieur Vincent Boucher, vice-président du Canam Beauce-Avalanche et initiateur du projet de partenariat. Monsieur Jimmy Bédard, gouverneur de Pont-Lac et responsable des relations avec Canam. Pour terminer, un énorme merci au groupe Canam pour leur confiance envers l'organisation qui véhiculera tout le long de la saison le nom de Canam.
avant une mise en jeu officielle. Maintenant, je vous inviterai, mesdames et messieurs, à vous lever debout, enlever chapeau et casquette, pour l'interprétation de l'hymne national par le numéro de Mme Ginette Renaud. We stand.